De vous retrouver dans le cadre de votre magazine Kiosque en fiche de suivre les analyses pertinentes qui doivent être sorties de nos invités pour apaiser les esprits au sein de l'opinion. D'abord, affaire des millions de dollars où Daniel Bumba acquise des foncières sérieusement mise en cause, le nouveau locataire de la ville province de Kinshasa ne s'est pas fait prier deux fois pour lâcher un communiqué laconique qualifiant de faux les documents fabriqués selon lui dans un laboratoire de faussaires dont un réseau a été dénoncé dernièrement par l'ambassadeur d'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo. En principe, l'affaire devait être considérée comme close, mais dans ces pays et dans cette ville où certains dossiers des détournements et tentatives de détournement des fonds publics connaissent des rebondissements inattendus. Voilà pourquoi l'émission Kiosque à ses yeux offrait cette problématique. Envie d'en parler au cours de cette émission. Crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La trêve violée par le rebelle du M23, mais les États-Unis d'Amérique aillent à prolonger. Alors que la date butoir de la fin est prévue pour demain. Nous allons donc analyser et scruter cette question au cours de cette émission Kiosque. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pourquoi cet état de choses? D'autant plus que là où les bas blessent, est du fait que l'Union pour la démocratie et le progrès social, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo et que sa survie soit mise en ballotage pour des dissensions éterne. Nous allons donc analyser cette question au cours de votre magazine Kiosque au finish. Modeste Bati Lukebo demande réparation en ce qui concerne la répartition des postes au sein de l'Union sacrée pour la nation où son parti politique ne s'est pas retrouvé. Nous allons donc analyser cette question avec nos invités. Nico Faye, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup. Estimé Eddy, je vous laisse la primaire de présenter mon co-débatteur. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de CCTV, de Kiosque et de Ralik. Nous sommes là pour parler République, bien que cette théorie de la République est très mise aujourd'hui en cause compte tenu des conditions que nous traversons. Je ne saurais m'en passer de rappel national. Je dois rappeler à mon peuple que ça fait 663 jours depuis que les régimes... 763 jours depuis que les régimes de la capitale allemande d'Afrique a abandonné la cité de Bunagana. Il faut souligner que la cité de Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. J'ai pris la cité de Bunagana à titre symbolique. Il n'y a pas qu'à la cité de Bunagana, de Rutshuru, grande partie de Masisi, grande partie de Lubero, grande partie de Nyiragongo. 168 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabund Akabund est à la prison centrale de Makala, victime de l'intolérance du régime. 695 jours depuis 168 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé, on ne sait pas si c'était un mandat, étant donné que le premier qui avait commencé le 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans, moi et vous faisons les calculs, comment le mandat est de 5 ans et le mandat commence le 24 janvier 2019, comment peut-on assister à une cérémonie soi-disant d'investiture le 20 janvier? Faisons tous le calcul. Qui a qualité de décompter le mandat dans un état? Et c'est pour cela que je lance cet appel à tous les bienfaiteurs, que ceux-là qui ont des moyens puissent nous financer pour que nous puissions organiser un grand colloque avec les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ce qui s'est passé du 20 au 27. Ce n'était pas une élection, ce n'était pas une nomination, ce n'était pas une hérédité, ce n'était pas un putsch, ni moins encore cooptation. Bor et Zanga Kombo. 695 jours depuis que Kabund est à Seperka.
C'est pas encore fini. 108 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique. Oui. Et jour j'ai plus 6 ans et 18 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, Babo Sana, défilé d'indépendance. Défilé d'indépendance. Vous avez vu ce qui s'est passé le 14 juillet en France. Mais ici, 6 milliards organisés les défilés d'indépendance, mais avec 2% de taux d'imposition sur les redevances minières. Mais comment expliquer avec 18 milliards, avec taux d'imposition de 10%, qu'on soit incapable d'organiser des défilés d'indépendance? Nico Faye, vous avez consommé 4 minutes. Nous sommes là pour... Et lorsqu'on va vous arracher la parole, il ne faut pas en faire un problème. Ok? Merci. Très bien. Monsieur Gandhi? Oui, bonjour. Vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci de me réinviter. Je dis bonjour non seulement aux téléspectateurs, mais aussi à toute votre équipe technique et administrative. Un petit salut aussi pour mon partenaire Nico Faye. J'aime bien le rencontrer et échanger avec lui, même s'il y a des dissonances par moment sur tel ou tel sujet. Mais j'aime bien, c'est dans la complémentarité qu'on arrivera à faire jaillir la lumière, la vérité, et puis d'aider ceux qui nous gouvernent à pouvoir mieux nous gouverner. Je voudrais, pour un petit chapeau qu'on appelle souvent ici biscuit, dire que moi je suis dépité. Je ne dis pas député, je dis dépité avec I, c'est-à-dire je suis dépassé dans le mauvais sens de savoir que ici, quand j'ai suivi un peu le programme que nous avons à débattre aujourd'hui, j'ai dit... On met en exergue des choses qui ne sont pas toujours essentielles. On se focalise sur les détournements, qui est une très mauvaise chose. On est détourné, notre attention est détournée sur des choses, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur importance, mais entre-temps, le peuple, nos populations croupissent dans la misère. Quand tu regardes le quotidien des Congolais, chaque jour au niveau du transport, c'est lamentable. Quand tu regardes le quotidien des Congolais au niveau du marché, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Le ministre de l'économie n'est pas au courant. Il doit être au courant. Je pense qu'il a pris quelques il a dit qu'il prendra quelques mesures, ne serait-ce que, mais en attendant qu'il prenne des mesures. Oui. D'ailleurs, en passant, je salue notre ami qui est dans son cabinet, Paty Lendo, un méritocrate. J'espère qu'il lui donnera des très bons conseils et puis que les choses iront bien. Mais quand je vois les choses augmenter, on dit on importe tout, c'est pour ça que les choses augmentent. Puisqu'on importe, notre monnaie ne peut pas résister face à la valeur d'autres monnaies. Mais il y a des choses que nous plantons ici, notamment quelques légumes, notamment quelques fruits ou quelques... je ne sais pas. On va dire que ça augmente puisqu'on a importé. Que les choses importées deviennent chères par rapport à la valeur de l'art, je peux comprendre, même si ce n'est pas acceptable. Oui. Mais ce que nous produisons ici augmente aussi à cause du dollar, à cause de l'importation, alors que c'est fabriqué sur place. Ça pose un problème. On est pendant la saison sèche où l'État, le gouvernement pouvait prendre les choses en main, faire en sorte qu'il y ait une urgence pour pouvoir réparer les routes ici ou là. Je ne vois pas de mouvement. Quand tu regardes la commune de Kinshasa, de Barumbu, de Lingwala, un peu partout, je ne veux pas aller à Tchangou, là c'est encore pire. On ne profite pas de cette saison sèche pour pouvoir lancer en urgence des travaux de construction, de réhabilitation de routes. Oui. Il y a des lacs un peu partout. Et bientôt, on aura besoin des véhicules amphibies, des véhicules qui roulent dans l'eau pour pouvoir se déplacer dans une partie de la capitale. Ça pose un problème. Donc voilà, c'était mon biscuit. Et puis, il y a 6 mois, 7 mois que le gouvernement était censé être mis en place, 6-7 mois depuis que le président est élu, je ne vois pas de mouvement dans le bon sens. L'année est presque finie. Donc il faudra qu'on revienne aux urgences. J'entends simplement partie, il y a des problèmes dans tel parti, il y a des problèmes dans tel gouvernement, il y a des réclamations. Ces gens-là réclament toujours par rapport à leur avantage. Je ne vois personne réclamer les choses dans le sens de soutenir le peuple. Je pensais que l'UDPS pouvait aussi revendiquer, continuer à revendiquer
pour nos populations, revendiquer, poser le problème au gouvernement pour qu'on pense au peuple. Mais la lutte des peuples, je pense qu'on en parlera. On va en parler. Ouais, donc, très bien. Nico Faye, commençons cette tour des tables avec vous. Affaire 200 millions de dollars. Il y a eu une démentie de la part du cabinet du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a eu à rejeter en bloc toutes ces allégations contenues à son égard. Mais la question que l'on doit se poser ici est celle de savoir la vraie fausse demande de fonds par Daniel Bumba à Facebook est d'autant plus surprenante que l'autorité urbaine n'est pas encore investie par l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa puisse se livrer à un tel spectacle. Votre analyse. Oui, estimé, je dois répondre, je vais m'organiser dans les timings au même parti. Oui. Le biscuit appelle à un autre biscuit. Je vous en prie. Je suis en train de me poser la question, est-ce en Allemagne d'Afrique, depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, il y a des problèmes sérieux à tous les niveaux. Aujourd'hui, moi je suis avocat, mais est-ce que je me pose la question, est-ce que... Avocat. S'il te plaît. Oui. Les Congolais doivent... Les Allemands d'Afrique doivent-ils encore continuer à aller à la justice? Ah bon? Ça ne donne plus envie. Il y a quoi encore? J'ai assisté à deux scènes. Le 24 janvier, le 25 janvier, un bailleur plaignant, qui s'est plaint contre son locataire pour n'avoir pas payé 12 mois d'arriéré. Et c'est le représentant du bailleur, du propriétaire, qui en réalité suit bailleur parce que celui qui est sur place, se voit tabassé par quelqu'un qui a débarqué dans l'affaire, qui n'est pas propriétaire, mais qui se présente comme étant Patrick Tshisekedi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, oui. Moi je suis votre bailleur. Oui. Ça fait plus de 3 ans que vous êtes mon locataire. 12 mois, vous ne payez plus. Vous payez, mais vous ne payez plus. Je constate que depuis 12 mois que vous n'avez pas payé, j'ai saisi les services de l'habitat. Malheureusement, moi, étant militaire, il y a quelqu'un d'autre qui va m'ester en justice pour me tabasser. Tabasser le locataire. Le bailleur plaignant. Oui. À l'auditorat d'Engaliema. Dans l'enceinte de l'auditorat, on tabasse le bailleur plaignant. Le même monsieur qui s'est présenté comme Patrick Tshisekedi qui a tabassé Ponamawa à Pessiomongo qui est l'hôpital. Dadi Zozo. Qui a des douleurs jusqu'à aujourd'hui. On l'amène à l'hôpital. Après l'hôpital, on l'amène encore au cachot. Et après, on veut les relaxer. Ce qui a condamné, c'est quoi? Mais celui qui a tabassé Dadi Zozo Bayer au sein de l'auditorat n'a pas été inquiété. En réalité, il n'est pas Christian Tshisekedi, Patrick Tshisekedi. Est-ce qu'il est de la famille Tshisekedi? Bon, c'est une infraction. Oui. Le fait aussi de tabasser à l'auditorat, c'est une autre infraction. Oui. En réalité, il serait Patrick Ilunga, qui se promène aussi avec les éléments de la garde républicaine. Les régimes de Mobutis et leurs enfants. Ce sont des pratiques, vous et moi, que nous avons assisté à l'époque de Congo de Saddam Hussein, oui. À l'époque de Tchad, à l'époque de Kokosei, à l'époque de Xinjiang. Vous avez oublié? Non. Et voilà encore un autre dossier. Ça refait surface aujourd'hui. Ça refait dans tous les secteurs. Oui. Une maman veuve d'un militaire qui s'est débrouillé, vous connaissez combien touche le militaire. Son mari est déjà décédé. Maman Abedi Mendi. Des gens viennent, bon, comme vous faites le commerce dans les haricots, dans les histoires, farine. Oui, nous sommes là, on peut vous fournir, commencer à vous fournir les haricots et la farine. Ils passent les contrats.
La pauvre maman veuve d'un militaire. Son mari touchait 245 000 francs. Mais cette maman s'est débrouillée dans le commerce. Elle verse 24 000 dollars. Les pauvres, les énergumènes se sont volatilisés dans la nature. Et où la maman place? Porte plainte. Oui. Les dossiers sont au parquet de grand descente de Kinshasa, Gombe. La maman finance, vous savez, notre justice, comment elle fonctionne, bien que vous soyez victime, vous portez plainte, mais vous devez encore motiver. Paye ça 500 dollars boyer, paye ça 200 dollars boyer. On arrive à mettre la main sur les prétendus escrocs. Quelques temps après, ils étaient déjà à Makala Mapé. La maman est surprise que tous ces gens sont déjà en liberté. Quelle garantie qu'ils ont laissé pour que cette pauvre maman Mélie Abedi soit remise dans ses droits? Quelle garantie qu'elle a aujourd'hui? Mais où est la faute du régime là-dedans? D'autant plus que le chef de l'État lui-même a y a déploré les dysfonctionnements au sein de la justice. Moi je dis, c'est-à-dire, oui. Tel si moi et toi, oui. On n'arrive pas à s'accorder. Nous devons recourir à la justice. Ouais, c'est la justice qui doit nous départager. Vous avez raison. Là, vous poussez des gens à se rendre justice. C'est qu'il reste une autre infraction. La pauvre maman, 24 000 dollars, veuve d'un militaire. 24 000 dollars. On a eu au moins à mettre la main sur les personnes. Mais malheureusement, les gens ont été bel et bien arrêtés. Ils ont été mappés. Mais à ce jour... L'avocat du peuple, Nico Faye, répondait maintenant à la question. Alors, non, mon frère, oui. Vous ne vous limitez pas seulement dans vos bureaux climatisés. Ayez l'habitude de faire des descentes sur terrain. Oui. Vous allez vous rendre compte les degrés de souffrance, les degrés de peine que mon peuple est en train d'endurer. Quand vous voulez qu'on passe vite. Les sujets que vous voulez qu'on aborde là, ça va apporter quoi par rapport aux souffrances de la population. Moi, je vais pour mon peuple. On est également buté par le temps, s'il vous plaît. Le sujet est capital, important, d'autant plus qu'il y a une question de détournement. Peut-être que vous, à travers vos analyses, vous allez éclairer la lanterne de l'opinion quant à ça. Non, vous savez, ces régimes... Et si subit ce malouba. D'abord, lorsqu'il dit que, lorsqu'il conteste que non, ce n'est pas vrai. Oui. Mais j'ai vu, dans une vidéo, lorsque le même Bumba a fait le constat de l'état actuel des installations du gouvernement. Mais j'ai suivi qu'il aurait signé un contrat avec une entreprise de la place pour réhabiliter le gouvernement. Mais lui qui n'est pas encore investi. Comment peut-il aller signer un contrat de réhabilitation des installations du gouvernement? Ça c'est grave, très grave. C'est le prototype de ce régime. Le régime ici, à l'époque, je le répète, il ne va pas le contredire. Si c'était un boutiste, il y a la porte de boutiste, qu'il vous donne les noms de la constitution qu'ils ont arrêté à l'époque d'Isaïe. Est-ce qu'à l'époque d'Isaïe, tu n'as pas dit que c'était le loi du plus fort. Lui qui n'est pas encore investi, combien de temps? Est-ce encore la constitution qui le bloque? Mais pourquoi son gouvernement tarde? Qu'est-ce qui bloque? La constitution? Lui n'avait pas tué la constitution lorsque l'on dit à l'article 198. Je vous le lis parce que je suis là pour faire ce travail-là. Oui, je vous en prie. Article 198. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par l'ordonnance du président de la République. Les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.
la composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Oui. Les nombres de ministres provinciaux ne peuvent dépasser 10. Mais vous, les Mobutistes, vous venez, vous nommez 10 ministres et 10 conseillers spéciaux. Et commissaires. Commissaire. Et commissaire. En vertu de quoi? Mais le ministre de l'Intérieur, a y interdire. Il a y à interdire. Oui. Où en sommes-nous? Mais on ne l'a pas investi. Mais alors, allez-vous encore dire que non, c'est la faute de Kabila? Allez-vous encore dire que c'est la faute du FCC? Et à qui est comme la faute? Allez-vous encore dire que c'est la faute de la Constitution? Et à qui est comme la faute dans tout mais ça? Mais c'est la régie, les gens qui n'ont pas la culture des textes. Non, là, ça ne passe pas, s'il vous plaît. Ça ne passe pas? S'il vous plaît, oui. Tous les actes, retiens ceci. Oui. Tous les actes que les autorités politico-administratives doivent poser doivent être conformes primo à la Constitution. Oui, c'est exact. Secondo aux autres sectoriels. Mais le ministre de l'Intérieur l'a poussé à respecter la Constitution. S'il te plaît, mon frère. Oui. Mais pourquoi lui d'abord avait-il procédé de la sorte? Parce qu'aujourd'hui, la conséquence c'est quoi? C'est ton argent, c'est mon argent. Moi, je me plains lorsque tu prends des forces pour des millionnaires. Et après cette émission, tu irais chercher le thé ici, de 500 francs, de 1000 francs. Je me plains que tu défends les millionnaires. Entre-temps, ils ne travaillent pas. Lui-même et son fils, ils sont déjà au hôtel Hilton. Tu sais combien ils peuvent être pris à l'hôtel Hilton avec quel argent? Voyez comment la ville est trop sale. Chuté. Vois comment la ville elle est trop sale. Oui. Sur le boulevard, il y a des immondices partout. Mais tu connais la nuitée à Hilton. Peut faire à ce qu'on réhabilite Avenue Kabinda. Boutou Moko à Hilton. Ah bon? Les boulots entre des huileries na Kabinda Wana. Ça demande quoi? Des huileries Kabinda. Point Victoire. Place Wana. Nous allons ajouter. Si tu es sur des huileries, tu ne peux pas aller par le parc Kabinda à la RTMC. Mon frère, n'est pas bien dans mon colline. Et toi, là, tu es là pour appuyer. Très bien. Bien dit. Monsieur Gandhi, vous avez suivi Nico Faye qui s'est proclamé pourtant déçu par rapport d'abord à la gestion du pays caractérisée par des détournements, la mégestion, les dysfonctionnements de la justice congolaise. Avec Daniel Bumba, en principe, il ne devrait pas engager sa responsabilité dans des matières ultra sensibles que celles ayant trait aux finances publiques. Votre analyse? Mon analyse, c'est que je ne vais pas, moi, détruire tout ce que Nico Faye a dit. Oui. Sauf que je vais apporter quelques précisions. Il a tort ou il a tout à fait raison? Sur les faits, faits, on ne peut pas discuter des faits. Et ça ne tourne pas rond dans notre pays. Personne ne peut dire le contraire, ça on le sait. Dans la vie sociale, économique de nos concitoyens aujourd'hui, c'est difficile. Plus le jour passe, plus les difficultés augmentent. Là, on ne peut pas discuter, c'est indiscutable. Quelles sont les mesures prises ou des mesures qui vont être prises pour pouvoir rectifier le tir? C'est ce qu'on attend, non seulement de l'État, mais aussi des acteurs socio-économiques. C'est ce qu'on attend. Ce pays souffre pas seulement d'une mauvaise gouvernance. Ce pays souffre, c'est que nous n'avons pas des structures de la défense des intérêts des individus, des intérêts de nos concitoyens. L'IGF, on a parlé. L'IGF, c'est autre chose. L'IGF fait son travail normalement et correctement. Oui. Aujourd'hui, il a fait tellement du bon travail, la justice n'a jamais suivi. Donc on ne peut pas dire, contredire, l'Assemblée nationale, contredire Nico Faye. IGF fait du bon travail, mais ce n'est pas à l'IGF de condamner les gens. Le relais doit être pris par la justice. Elle est où la justice? On a arrêté certaines personnalités il y a quelques mois, quelques années. Ils sont où? Dehors. Ils continuent à se pavaner, à prendre la parole en public, sans honte. Donc, il y a un problème grave dans ce pays. Donc, pour revenir à la question de Bumba, moi j'ai dit qu'on marche sur les pieds. Pas sur les pieds, on devrait marcher sur les pieds, mais on marche avec nos têtes. Ça pose un problème. Daniel Bumba n'est pas investi. Daniel Bumba ne nous a pas présenté un budget.
Comment vous n'avez pas le budget de la ville, vous pouvez aller emprunter de l'argent à l'extérieur? C'est sur quelle base? S'il y avait le budget qui prévoyait telle dépense, etc., et que la ville pense ne pas avoir assez d'argent, qu'il procède à l'emprunt, ça c'est normal. Mais aujourd'hui, on ne nous a pas montré le budget de la ville de Kinshasa. Les 200 000 là vont servir par rapport à quel budget, quelle ligne budgétaire? Ça pose déjà un problème de gouvernance. S'il démarre comme ça, je ne sais pas comment on peut aboutir dans 5 ans, même dans 2 ans. Mais c'est qu'on dit, oui. Tout en lui accordant le bénéfice des doutes, vous ne voyez pas que la patrie financière de la majorité silencieuse reste en alerte hein, pour surveiller tous les mouvements de ses gouverneurs, parce qu'on a eu à connaître des dégâts avec ses différents prédécesseurs, André Kimbuta, Jean-Tini Gobila également. Votre analyse? Non, je ne dis pas, il est fait aujourd'hui. Oui. Si j'ai analysé un peu de cette situation, à savoir il y a manque de budget, manque d'investissure, c'est dans la ligne droite des principes de droit administratif. Mais par rapport à ce qu'on lui reproche d'avoir était auprès d'une banque pour demander, je n'ai pas d'éléments de preuve, je ne peux pas commenter des éléments dont on n'a pas de preuve. Donc c'est de la supercherie, du fantasme peut-être. Oui. Mais moi j'attends d'avoir des éléments concrets pour pouvoir analyser et donner mon point de vue. Je ne veux pas donner mon point de vue en l'air comme ça sur des supputations qui ne sont pas fondées. Voilà ce que je peux dire en ce moment-là. Très bien. Mais le problème c'est qu'ici, aujourd'hui, on est en train de vaquer à des... Je ne sais pas si on ne va pas droit au but, c'est-à-dire dans le sens de soutenir le peuple, dans le sens du développement, mais le gouvernement est fait, surtout l'Union sacrée. L'Union sacrée fait des briques et des brocs. C'est-à-dire, à savoir, ce n'est pas une union sacrée. Si c'était l'Union sacrée, on aurait eu le gouvernement en temps et en heure. On aurait choisi parmi les gens de l'Union sacrée, on n'aurait pas choisi au nom des partis politiques, des groupements politiques. Si on a choisi des gens par rapport aux partis politiques, à leur poids et autres, c'est qu'il n'y avait pas d'union sacrée. C'était les briques et brocs qui font qu'on est dans le désarroi total. Je pense qu'il y a un sujet là-dessus, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, je voudrais terminer simplement sur ce que Nico Faye a dit, dont je ne suis pas d'accord, puisqu'il parle de la génération des enfants, des petits-enfants, des mobutistes. Il oublie que l'Union sacrée... Là, il met tout le monde dans les lots. Hein. Dans les lots. Il oublie que, puisqu'il est en train de défendre l'ancien président, Kabila, mais il oublie l'ancien que... l'ancien premier ministre, Matata Ponyo. Il oublie que l'Union sacrée est composée à plus de la moitié de ses membres, des gens, des turiféraires, des grands flatteurs de... du FCC et du PPRD qui composent l'Union sacrée. Donc au lieu de parler de Mobutiste, il est vrai, c'est lié au concret, à l'actualité. Oui. Parce que ces gens-là, on peut les citer, ils les connaissent, hein, ceux qui font partie de l'Union sacrée. Okay. La plupart, c'est des gens... Citez-les. Même les Bahati et autres, entre autres. Ils sont nombreux. Oui. Mais, et les autres, c'est pareil. Citez les Jean-Pierre Liaou, Tous viennent du PPRD. Tous viennent du PPRD, du FCC. Donc, laissez Mobutu tranquille là où Mosso. Il est. Mobutu, laissez. Mosso, c'est lui qui a traversé les âges. Il a traversé les générations. On ne peut pas le citer parce que c'est un cas exceptionnel. Donc, voilà. Donc, quand vous parlez de Mobutu, je ne suis pas mobutiste. Je suis vous avez vécu à l'époque de Mobutu. J'ai vécu, mais je n'étais pas ici. Et vous aussi. Mais pratique, je parle... C'est-à-dire, une partie de ma vie, je vous avez participé dans la gestion de Mobutu. Oui. L'idée, c'est quoi? Vous qui avez vécu au moins à l'époque du Zaïre, Oui. Vous connaissez au moins les bavures. Mais pire. La jungle dans laquelle nous vivions. C'est de ça que je veux parler. Oui. Mais est-ce qu'on est sorti de cette jungle? Ça a repris avec force. Ça n'a pas repris. À l'époque de Kabila. Mais Kabila lui-même, je pense que. Toi étant issu du kabilisme non. et de l'UDPS, tu étais de l'UDPS aussi. Toi, tu as navigué. Tu peux me contredire que c'est aujourd'hui. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Oui. C'est mon temps de parole. Tu as vécu à la fois avec l'UDPS, tu as vécu avec le PPRD, le FCC.
C'est pour ça que moi je dis contrôle ton langage, puisque tu as participé à tous ces jeux-là. Je n'ai jamais participé dans la gestion. S'il vous plaît, laisse-lui parler. C'est mon temps, tu me fais perdre mes idées. Chuteux. Tu me fais perdre mes idées. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en difficulté. Ce qu'il y a d'important, c'est de nous ressaisir tous, même ceux qui portent les idées pour aider la République d'avancer, même ceux qui gèrent la République aujourd'hui. On devrait se mettre ensemble pour voir quelle est la bonne direction pour sortir le pays de ses méandres, pour sortir notre population de ses difficultés. Si on est là juste pour pointer Kabila, pour terminer, Kabila ne vous a pas dit, ne nous a pas dit qu'il a eu du mal à trouver 15 personnes pour pouvoir l'aider à gérer cette République. Donc, Tshisekedi en a trouvé combien? Non, mais Tshisekedi a repris la même phrase, la même rengaine en disant qu'il a des difficultés. Donc, il se pose un problème d'homme. Oui. Donc, le problème ne se pose pas Kabila contre Tshisekedi ou Tshisekedi contre Kabila, Mobutu, etc. Se pose dans la tête de nos Congolais, notamment Nico Faye. Combien de promotions fais-tu dans tes interventions télévisées? Tu dénonces les choses sur lesquelles on peut être tous d'accord. Tu dénonces les choses. Mais dans ces choses-là, j'espère, comme je l'ai dit, à partir de demain, tu vas y travailler. Combien de propositions tu fais pour que le gouvernement puisse s'en sortir, pour que notre peuple puisse s'en sortir? Nous avons un déficit des élites, surtout intellectuelles, puisque les élites politiques ne peuvent pas inventer tout. Les élites politiques dans tous les gouvernements, dans tous les États, sont aidées par les élites intellectuelles qui proposent, qui pensent, etc. Mais quand on n'a que des élites intellectuelles, entre guillemets, en ce moment-là, ils ne le sont pas puisqu'ils ne proposent rien, ils ne pensent pas. Ils sont là pour critiquer. Est-ce qu'ils sont élites? Ils ne sont plus élites en ce moment-là. Il déficite également les pays où ça marche. Où il y a des contrepoids du pouvoir, c'est le pays où la justice fonctionne, c'est le pays où la presse fonctionne normalement, c'est le pays où il y a un syndicat ou des syndicats importants pour revendiquer, pour pouvoir contenir le gouvernement par rapport à la défense des intérêts des salariés, de nos populations. Ça n'existe pas, les syndicats n'existent pas. La presse est bâillonnée puisque quand un journaliste touche moins de $500, donc il va se vendre. Même quand il a des idées, il peut se vendre. Je ne dis pas tous, hein, pas tous. La justice, notre ami l'a déjà dit, il nous a donné deux exemples patents de l'inexistence, de l'inefficacité de la justice. Quand la justice ne va pas, vous voulez vivre dans un pays équilibré, mais les gens qui détournent, ils ne sont jamais inquiétés, au contraire. Ils vont se reposer pendant quelques mois en prison là-bas. Très bien. Et puis ils ressortent. Moi, j'ai dit aujourd'hui, Nico Faye, on a pris date. T'es un homme intelligent. Je sais qu'à partir de demain, au-delà de présenter les faits qui sont réellement des faits réels, demain ou après-demain, viens aussi avec des idées qui puissent aider ce gouvernement, aider nos populations à aller de l'avant. Nico Faye, je reviens à vous. Il s'est posé un problème d'homme, hein. L'a dit M. Gandhi, mais avec cette pratique, vous ne voyez pas que les doutes vont toujours continuer à hanter de nombreux esprits pendant des mois, car nul n'ignore aujourd'hui que la mémoire collective s'attarde encore sur les cas des détournements, d'abord avec Eteni Longondo qui a eu à détourner l'argent destiné au Covid-19 lorsqu'il était ministre de la santé publique, mais également cette problématique des forages et la pandère qui reste toujours très floue. Vous ne voyez pas qu'il y a en Guichoroche quelque chose qui ne va pas? Là, je vous rejoins. Ah, là, vous m'avez rejoint. Oui. Parce que peut-être vous êtes derrière IGF. Non. Non, vous lorsque j'ai dit des choses, là où vous avez des intérêts, là, vous me rejoignez. Mais là où il n'y a pas d'intérêt, vous ne vois aucun intérêt soudain à l'égard d'une institution quelconque. Tu as cité les noms de quelqu'un, c'était un membre influent du régime. Oui, vrai. Qui n'a pas décrié cette gestion? Mais vous, vous l'avez blanchi. Qui? Votre régime. Lui, il est journaliste, il ne dépend pas des partis ni du gouvernement. Le seul pays au monde qui a eu à détourner l'argent de Covid, c'est
le régime actuel, l'Allemagne d'Afrique, où la Banque mondiale a envoyé les fonds, les concernés n'ont pas eu cet argent-là. Ce régime, plus de 350 millions de dollars. C'est et d'ailleurs, la situation avait été même aggravée pour s'attirer la sympathie de cette communauté internationale pour qu'on vous donne de l'argent. En réalité, le COVID a existé. Mais le degré de la manière dont on a présenté les choses, c'était pour s'attirer la sympathie. Vous n'avez pas tenu compte de tout ce peuple qui a souffert. Vous avez à confiner Gombe, vous. Il faut que je rappelle d'abord à mon peuple que vous avez dit qu'on allait confiner Kinshasa. Jusqu'à minuit, mon peuple s'est endetté. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'ont plus encore de télévision dans leur maison. Ils ont eu à gager qu'on va confiner pour se faire des provisions. Avec intérêt, les banques la mer. Par après, cette mesure n'avait pas été prise. Avez-vous tenu compte des préjudices subis par tous ces Congolais-là? Non. Vous avez confiné Gombe. Quand vous parlez de vous, avez-vous tenu compte? Il faut s'adresser au public. Et vous avez confiné Gombe. Moi, journaliste. Vous avez confiné Gombe. Oui. Avez-vous tenu compte des locataires commerciaux de la Gombe? Dans les états, on réfléchit. Quelqu'un qui habite Lemba, qui prend un magasin à la Gombe, qui prend une boutique à la Gombe, vous confinez Gombe. Quel est l'état de relation entre les locataires et son bailleur? Mais c'était pour stopper la propagation de la maladie, Niko Faye. Je vous dis comment on a réfléchi dans les états. Il ne faut pas voir tout dans les noirs. Oui. Les locataires qui a pris une boutique ici, à l'immeuble Interfinant, boutique combien? 2200 dollars. Il doit payer le loyer des fonds produits par la boutique. C'est la boutique qui doit s'autofinancer. Vous avez confiné Gombe près de 6 mois. Que devient les locataires vis-à-vis de son bailleur? Tous ces arriérés de loyers accumulés seront mis à charge de qui? Et quoi? Ma réflexion, vous voyez, beaucoup nous savons, ah ouais, comment réfléchir dans les états? Le loyer, comment compenser ces loyers-là? Pour les bailleurs qui ont la garantie du locataire, ça consomme. Parce que vos marchés tombent dans sa maison. Ça consomme. Or, voici comment, dans les états, on a réfléchi. L'État a subventionné. Oui. Hein? Mais est-ce que chez vous, vous avez subventionné? Vous, au lieu de subventionner, vous avez même extorqué vos botoli. Bakonda. Non, vous riez. Vous connaissez combien de mamans ont perdu leur garantie et bakangi ma boutique? Faut pas rire, hein? Allez sur l'avenue qui mène vers Wallonie-Bruxelles, là. Cette avenue-là. Combien de membres m'ont appelé? La ville qui mène Galerie Présidentielle jusqu'au centre de Bruxelles. Toutes ces boutiques-là. Non seulement à Covid, vous avez confiné Covid. Après, Boyen a tracteur. Botimouli m'a bon près de 7 mois. C'était aussi un manque à gagner pour la République. Manque à gagner pour la République aussi. Justifier les 350 millions de dollars de la Banque mondiale. Et Kenda Wapi. Vous vous êtes enrichi. Et votre soupire a continué à l'aéroport. Il n'y avait plus de mesures de Covid. Les gens continuent à payer pour le test de Covid, non? Vrai ou faux? Cet argent a parti où? Et vous allez voir dans quel test se trouve cet aéroport-là. Dans quel test se trouve cet aéroport? Mais il y a Milves qui va réfectionner bientôt. Qui va? Ma futurologue, ma Kadjimamino. Kadjimamino. Moi, je suis pas Kadjimamino. Moi, je suis Kadjimanto. Oui. Changeons de régime. Non! Non, on parle de choses sérieuses. Chutez, Niko. On parle de choses sérieuses. Oui. Maintenant, vous commencez à parler de Tony Odeon. Votre justice l'a quitté, non? Alors, dossier Lampadaire, Forage. Toujours justice. C'est toujours la justice. Je me suis investi.
pour ne appréhender les affaires judiciaires. Mais les ministres des Finances, l'ancien ministre Nicolas Kazadi, compte retourner pour affronter encore une fois depuis la justice. Pour mieux appréhender les affaires judiciaires, oui, il faut aller avec des cas concrets. On vous présente un cas. Une telle maman, Meli Abedi, on a arrêté les gens. Elle pouvait se sentir au moins à l'aise si les gens qui l'avaient escroqué étaient à Makala. Elle serait au moins à l'aise. Mais maintenant, elles sont en liberté. Elle n'a plus, on n'a pas remboursé son argent. Elle est dans quelle situation aujourd'hui? Comment remettre la main sur ces gens-là? Même s'il faut remettre la main sur l'homme, il faudrait qu'elle dépense. C'est pas correct. Quand on dit les hommes, oui, les hommes, c'est qui? Ce sont les animateurs. Oui. Les animateurs des institutions qui doivent donner de l'impulsion. Mais lorsque vous-même qui devrez donner de l'impulsion, vous ramenez Ram ici. Je suis très bien. Non. Changeons, s'il vous plaît. Ils ont ramené Ram. Ils ont ramené Ram. On est buté par les temps, changeons de registre. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Ils ont ramené Ram. Non. On change de registre. S'il vous plaît. Là, on touche à tes intérêts. Mais c'est Gandhi. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Depuis quelques semaines, l'IDPS, et au gré des vagues, les partis présidentiels est secoué par une crise qui risque, si l'on n'y prend pas garde, de provoquer d'abord son implosion et simplement sa disparition. Vous, en tant qu'analyste, cette crise, vous l'analysez comment? Mais cette crise est prévisible, ce n'est pas une nouveauté. Du moins pour moi, ce n'est pas une nouveauté. L'UDPS a toujours vécu des crises après un certain nombre d'années, des périodes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui UDPS Kibasa. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui UDPS Tshibala. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui l'UDPS avec les gens qui disent cofondateur de l'UDPS, etc. Ce qui arrive là, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau dans ce qui arrive, c'est que les gens revendiquent des postes, alors qu'avant l'UDPS était sur le combat d'idées, notamment sur la défense des intérêts de nos populations. Aujourd'hui, c'est devenu l'UDPS qui commence à se battre par rapport à au poste. C'est qui peut altérer un peu l'évolution de ce parti, mais la disparition n'est pas prévisible. Oui. C'est pas prévisible. Là, on en arrive aujourd'hui. La crise peut s'expliquer par le comportement des uns et des autres, notamment ceux qui ont eu à diriger ce parti et avoir des fonctions politiques, qui se retrouvaient comme des potentats, de dieux, des petits dieux, oui, qui, au lieu de tenir compte des raisons d'être de l'UDPS essentielles, qui n'étaient pas d'être au pouvoir pour le pouvoir, mais puisqu'il y a des gens de l'UDPS qui sont au pouvoir, les autres qui sont au pouvoir, qu'on pouvait continuer à revendiquer au nom du peuple, pour le peuple, à soutenir ce gouvernement dans le sens de pouvoir créer un développement pour notre société. Très bien. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans un camp où on le savait, on le connaissait, dans le sens de pouvoir faire que tout revienne au peuple, pour le peuple. Mais il s'est avéré qu'on a oublié le peuple, mais maintenant tout le monde veut son enveloppe, tout le monde veut sa voiture, et tout le monde veut un poste comme mandataire, etc. Ça fausse les jeux, oui, de ce qu'on connaissait de l'UDPS, et c'est ça qui peut faire en sorte que l'UDPS soit dans la déperdition. Et que Kabound revienne en force par la suite quand il sortira des prisons. C'est, très bien. Voilà. Monsieur Nico Faye, cette situation qui semble persister plonge aujourd'hui le parti présidentiel dans une léthargie totale au moment où tous les efforts comme parti politique au pouvoir devaient être orientés vers la mobilisation du peuple pour le soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce gouvernement, dans des différents fonds contenus dans les programmes du gouvernement. Mais on assiste
aujourd'hui à des dissensions et conflits internes. Comment interprétez-vous cet état des choses? D'abord, dans deux minutes, hein, parce qu'on est limité par les temps. C'était un sujet d'un fait privé, mais comme vous me poussez à placer un mot, je suis dans l'obligation de placer. Je vous dis que il faut parler structure, organisation, institution par rapport aux gens qui ont la culture des textes. J'ai avec moi ici le statut de l'UDPS. Lisez l'article 19 du statut de l'UDPS. Les congrès se réunissent en session ordinaire sur convocation du président Nash du parti. Tous les 5 ans, le premier lundi, du mois de décembre. Les congrès se réunissent à Kinshasa ou à un autre cas déterminé. Ça, c'est le président. Maintenant, lisez l'article 60. Article 62. Le mandat à l'UDPS est de 5 ans renouvelable. Le cumul de mandat est interdit au sein de l'UDPS, sauf dérogation expresse du président du parti. Vous comprenez d'abord que tout est concentré entre les mains d'un seul homme, président du parti. La crise actuelle. L'actuel secrétaire, je ne sais même pas s'il est secrétaire général, s'il est président AI, il y a un flou quant à ça. Non, c'est le secrétaire général qui assume l'intérim de quoi? Président. Pour combien de temps? C'est-à-dire qu'on doit passer tout un mandat comme ça. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas la culture des textes. Je commençais par vous dire comment l'ère gouverneur est en train d'agir. Logé dans les hôtels de luxe, sans gouvernement, et vous allez dire que non, c'est la constitution qui a bloqué, qu'on la change. Le secrétaire général qui est là, d'après mes renseignements, il y a eu un congrès au mois de novembre 2023. Il est là. C'est-à-dire, il n'a même pas une année. Bon, le mandat est de 5 ans. Et pire, il a été nommé. Ils sont dans un régime de nomination. Mais dans un régime nominatif. En vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, ne peut révoquer que celui qui a nommé. Pourquoi pas faire des mémos auprès de celui qui l'avait nommé? Si Kabouya est là, c'est du fait de la volonté d'un homme. La volonté d'un homme, c'est qui? La volonté de Moukontombolo Antoine. Non, ils sont pas. Celui qui l'avait nommé. Non, s'il te plaît. Oui. Non. Vous parlez à un administrativiste et vous parlez à un juriste. Nous sommes arrivés déjà à la fin. J'ai dit ceci. S'il vous plaît, chutez. Il a été nommé. Oui. Il a un mandat de 5 ans. Si vous estimez que la gestion n'est pas bonne, mais faites pression sur la signature qu'il avait nommée. Mais pourquoi vous ne faites pas pression sur la signature? Parce qu'il ne peut être relevé de ses fonctions que du fait de la signature qu'il avait nommée. C'est ça l'état des droits. Mais votre. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Ici, moi, la démarche est bien. Parce que je vois très mal que vous puissiez. Ovationner la signature qu'il a nommée. Oui. Et qu'on le condamne. Oui. Soit qu'on a la signature. Qui a la signature? Vous connaissez celui qui a la signature? En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Le temps qui nous a imparti ne nous a pas permis d'aborder d'autres sujets d'actualité. Merci d'avoir suivi Kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision de Doumontier, il est coach. Merci. Ouais, il est nommé.